Des aventures, on en a vécu partout. Pour une fois, on s'est promis de vraies vacances. Au sud, au chaud. J'ai froid, j'ai faim. Au calme. Au soleil. Un parcours sans difficulté, et pas loin de chez nous. À la rencontre des éco-villages, des communautés libres et autonomes. Pour s'en inspirer, car nous allons vivre nous-mêmes en habitat groupé, très bientôt. Pour comprendre sur quoi repose leur succès. Ou le cas échéant, leur échec. Pour vivre dans la sobriété. 1800 euros pour vivre l'année entière. La simplicité. Et le partage. En pleine nature. Au contact de ces éléments. On a envie d'une belle balade en famille. Pour le plaisir de se consacrer à nos deux filles. De les bichonner. De les câliner sous la tente. De les éveiller. Et d'aiguiser leur appétit de vie. Tout en leur faisant découvrir toutes les couleurs du monde. On part explorer les montagnes espagnoles. Depuis la Sierra de León jusqu'aux Pyrénées. Via les Asturies et la côte cantabrique. Ah, je sens qu'on va se régaler. Enfin, une aventure facile. Pas d'employés vietnamiens corrompus à la frontière, ni de Tibet à traverser illégalement. Pas de volcan en éruption. Pas de créatures dangereuses à éviter. Côté matériel, on maîtrise tout. Ce qui devait casser l'a fait depuis longtemps. Et puis, les montagnes espagnoles, ça ne peut pas être aussi dur que la Bolivie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, c'est pas super facile. Vous allez voir, on se rend de la gueule. J'en ai marre!